Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de septembre 2020 pour les signes d'eau qui sont donc les poissons, les scorpions et les cancers. Alors on se retrouve donc ce mois-ci, effectivement vous renvoyez ma tête, mais une nouvelle lunette, hein. je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vous propose donc on découvre les énergies du mois de septembre pour chaque signe d'eau. Et euh, comme d'habitude, on va se retrouver du coup avec le tarot du dragon celtique. Nous avons également ici l'oracle des Ross qui est bien présent, nous avons l'oracle du peuple animal et nous avons également les petits messages avec les cartes positives de Sandra qui va nous aider à compléter tout ça. Et Je vous propose sans trop attendre qu'on va regarder directement pour les poissons. Alors, amis poissons, nous avons la carte ici du pape, nous avons le de denier, nous avons le magicien, nous avons le corbeau en animal. Hop, voilà. Alors, amis poissons, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, c'est un message qui va beaucoup ressembler avec euh, les Sagittaires, si vous n'avez pas vu la vidéo de signe de Feu, euh, c'est avec les Sagittaires, parce que simplement, on retrouve encore une fois le Pape et le Dodonier. De Alors pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes, mais nous avons les, les, les deux cartes qui sont ressorties, à la différence près que euh, là où en fait, le Pape et le, le Deux-Denis montrent bien que nous sommes dans un... Que, enfin, vous êtes signe d'eau, donc du poisson, vous êtes dans un contrôle, dans un juste équilibre, etc. On voit qu'à travers le Magicien et le Corbeau, vous êtes plus dans une... quand même un agissement, une action particulière. Euh, je dis bien une action qui va être surtout bah, de liée au passé pour le coup, de devoir vous séparer, de devoir couper des liens, de devoir arrêter certaines choses qui vous alourdissent. Euh, là où le Sagittaire était plutôt dans la période où on est calme, on est tranquille, on, on laisse faire les choses, là euh, vous autres amis poissons, vous êtes plutôt effectivement pour retrouver votre équilibre et votre bien-être, ce soit général, euh, bien-être spirituel également, et on vous conseille, on vous demande d'agir sur... Euh, sur justement les choses qui vous alourdissent aujourd'hui, qui apportent votre déséquilibre. Donc question, questionnez-vous durant ce mois de septembre sur justement qu'est-ce qui m'alourdit, qu'est-ce qui me ralentit, qu'est-ce qui me bloque. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose que je traîne et que, bah, qui me saoule et que j'accepte parce que bah, voilà, pour X raison, et que je ne devrais finalement pas accepter Justement, questionnez-vous euh, dans ce sens. En tout cas, pour moi, euh, c'est des choses qui sont quand même plutôt dans le positif, même si ça demande parfois de couper des liens, peut-être rompre des choses comme ça. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de ce mois de septembre, parce qu'encore une fois, c'est pour votre bien-être. Et seul vous pouvez savoir, bien sûr, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un message qui est encourageant pour vous aider à apporter bah, un meilleur équilibre, un bien-être, encore une fois, dans votre vie. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur du tout de ce mois de septembre, même si effectivement, il faudra prendre sans doute, des décisions assez fortes. Euh... Je réfléchis, il y a un message je crois, je voulais dire, mais je il est passé, j ai, j ai... je ne sais plus. Je n'étais plus, c'est pas bien grave, ça ne devait pas être forcément important. On va regarder du coup la carte. Bah bon, voilà, ça, ça, tout est dit avec son Je mérite de me sentir bien, je m'entoure de ce qui m'aspire du bonheur. Rien à dire de plus, c'est exactement ça. Je mérite de me sentir bien, effectivement, donc n'oubliez pas ce qui... Vous bloque aujourd'hui. Bah, c'est ça que je voulais dire, c'est que même ces choses que même si vous avez l'habitude de faire attention et de bah, pas vous associer à des choses qui vous alourdissent, euh, parfois inconsciemment on laisse passer des choses. Hein, même si on est dans un développement personnel spirituel et qu'on fait attention régulièrement, on peut avoir aussi ce, ce ressenti ou enfin on peut avoir en fait sans faire attention moi le premier. Hein, donc je, je donne des conseils, c'est pas pour autant que je fais pas de bêtises et laisser des choses qui nous alourdissent dans notre vie rentrer pour une raison parce que bah on se laisse avoir et ce n'est pas, pas négatif pour autant de repenser à faire ce travail-là régulièrement. Et donc, la carte de son bras est très juste à ce niveau-là. On va regarder pour les scorpions. Allez, on regarde pour les scorpions. Alors, les scorpions, nous avons la maison-dieu en arcane majeure. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons l'insatisfaite. Et nous avons le renard qui, heureusement, vient mettre un peu de positif dans tout ça. Parce qu'effectivement, les scorpions. Ah, la rentrée! Euh, c'est une rentrée dure. Hein. Euh, on va pas se mentir que. Vous n'allez pas. pas aimer ce mois de septembre parce que c'est est un mois qui est, qui est lourd, euh, qui vous gonfle. Mais qui vous gonfle! Oh là 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 là! Il enfin, y a des choses qui se passent et vous avez envie de, de foutre des claques à tout le monde. En, fait. c est, c est, y a des... en tout cas, certaines personnes, vous avez envie de foutre des, des grosses claques. Euh, ça va être difficile pour vous parce que. En fait, vous percevez les choses, vous voyez les choses, vous ressentez les choses, vous êtes au courant de certaines situations, vous êtes... Euh, vous êtes conscient de certaines choses que d'autres ne voient pas et vous avez envie de dire mais bordel réveille-toi à ces personnes-là. Vous avez envie de les secouer en se disant mais tu vas réagir enfin. Je t'ai fait avoir une fois, tu as trop faire avoir deux fois, euh, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Enfin vraiment, vous avez l'impression que le monde marche à tête parfois, hein. c est, c est, avec, avec cette personne. Et euh, bah, ça vous saoule et bien sûr, enfin vous n'êtes pas méchant. Au contraire, et c'est justement par empathie, parce que ça vous énerve de voir des personnes qui souffrent et qui vont ressouffrir, mais parce qu'ils foncent dans un mur et que vous vous êtes là en train de dire, mais bordel, réagissez quoi! Donc, euh, ça vous saoule, et en même temps, vous savez que vous ne devez pas agir, hein, que ça c'est toujours un dilemme pour vous en tant que scorpion, mais là sur le coup, c'est vrai que vous êtes dans, un peu dans cette étape d'inaction et vous avez vraiment, à part secouer le cocotier, on va dire, à sa base, au tronc, euh, vraiment. Euh... C'est compliqué, je ne vais pas vous montrer que ça va être compliqué, alors ça veut pas dire que ce sera moi pourri pour autant, on a quand même le renard qui amène du positif, donc on voit qu'il y a quand même des escapades, des, des sorties, on voit quand même que vous vous changez d'air, en tout cas qu'il y a parfois des moments où vous voilà, vous ressourcez quand même malgré tout, il y a quand même des moments de joie et de coupure hein, qui vous font quand même un peu de bien, mais c'est clair qu'il y a une autre réalité, va dire qu'il y a une réalité qui est aussi sur le côté, qui est bien présente et qui, bon sang, est assez chiante hein. On sentait bien que de toute façon les scorpions, par rapport aux derniers mois, à mes souvenirs, c'était pas forcément dans les bons auspices. Peut-être que vous êtes en train de traverser une mauvaise étape pour vous. En tout cas, ami Scorpion, restez positif, c'est juste un mauvais moment à passer. Et encore une fois, plus vous avez conscience des choses et plus vous les maîtrisez, mieux ça ira aussi pour vous. Euh, pour les... Quand il y a des passages comme ça compliqués. Le message de Sandra qui vous dit J'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement, je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité ça, c'est le conseil qu'on vous donne effectivement. Ben, comme je vous ai dit, j'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement, dans le sens aussi ben, que ce n'est pas forcément dans votre mouvement à vous, c'est ce n'est pas dans le sens que vous souhaitez. Mais vous vous adaptez et vous passez ce cap. Donc suivez bien ce mantra, cette, cette idée. Ça va beaucoup vous aider pour ce mois de septembre. Enfin, on va regarder pour les cancers. Alors, les cancers qui ont donc droit à la papesse, qui a également le cavalier de denier qui apparaît. Nous avons la carte de la mer qui est présente. Et nous avons l'hirondelle. Alors, bah écoutez, pour vous, cancer, euh, on rentre dans de nouvelles étapes. Hein. On est en train de sortir un peu de, de, de nos gonds, j'ai envie de dire. On sort un peu de, cette, de, de nos habitudes. On va découvrir de nouvelles choses qui vont être euh, source d'expérience. Alors, la papesse peut nous inviter effectivement un peu sur le côté spirituel, effectivement. Donc, ça peut nous éviter aussi, donc plus, on va dire, des nouvelles étapes. Ce ne sera pas forcément sur les étapes donc, du coup professionnel enfin des choses assez euh, terre à terre. Ce sera peut-être de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de, nouvelles, euh, de nouveaux contacts, de nouvelles façons de voir également, aussi, de ressentir, de vivre tout simplement. Et c'est des expériences que vous faites. Donc, c'est un mois euh, d'expérience, mais en tout cas, c'est un mois positif où vous y allez. Euh, d'une manière tout à fait légère, hein, de manière tout à fait euh, serein et sereine. Vraiment, vous attendez ce mois de septembre. Euh, faut pas avoir peur ce mois de septembre parce que même s'il si va effectivement il va passer des choses. C'est des choses que vous allez vouloir. Pas en... bah, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer. Tiens, bon bah j'aime pas, j'aime pas. C'est pas grave. Je passe à autre chose. Ah ça, bah j'aime bien. Ok, c'est cool, j'aime bien. C'est vrai voilà, c'est vraiment les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres. Voilà, c'est des choses qui sont là, qui sont donc encore une fois pas vraiment très terre à terre, hein, parce qu'encore une fois la papesse c'est quand même plus dans l'idée du, du spirituel, les dépenser les choses comme ça. Donc on est quand même sur des choses qui, en enfin, tout cas dans mon ressenti. Donc pour moi c'est quand même un mois positif de, de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Écoutez, allez-y, hein, faut, faut, faut oser dans la vie. Donc c'est le bon moment en tout cas pour vous amis Cancer. Donc, nous avons comme message Tout arrive pour une raison. Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fier de moi. Et effectivement, ce sera le bilan que vous allez faire du coup à la fin de ce mois de septembre. Je suis fier de moi, des, des expériences et de toutes les étapes que j'ai vécues parce que vous aurez avancé et appris pas mal de choses. Voilà. Bah écoutez, signodo, je, je vous félicite. Hein, on est quand même sur un bon mois pour bon, parler les scorpions qui ont un peu de mal, mais c'est pas bien grave. Les scorpions sont assez solides et j'ai confiance en eux pour savoir qu'ils qu vont passer ce cap malgré qu'ils sont sensibles. Vous êtes signe d'eau, vous êtes sensible forcément. Je vous remercie d'avoir en tout cas regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire bah, déjà de quel signe vous êtes et si ça vous parle. Quels sont vos ressentis à vous sur les prochains mois N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez euh, à travers mes vidéos ma chaîne. Bienvenue. Et n'hésitez pas également à la partager à vos amis qui font partie du signe d'eau pour que bah, cette vidéo et cette chaîne continuent à croître. Et je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Je vous, souhaite, je vous dis à très bientôt tout simplement, je vous souhaite une belle semaine et euh, ben voilà tout simplement, à la prochaine